Chers compatriotes, bandeko na biso ba congolais, na bandeko oyo nyonso oyo bozali ezala na Belgique, ezala na bamboka voisin, na yele lo liboso na bino pona kolobela bino, kolanse bino appel na likambo etali voyage munene oyo boyebi ya ba imposteur mibale ya minene bandoki baza kokwea na mboka oyo biso tovandi ya poto. Nalingi mpe naloba ngo na français parce que je m'adresse à deux communautés, la communauté congolaise, la communauté rwandaise. Je suis en train de vous lancer un appel ici en tant que coordinateur des combattants congolais, mais nous avons besoin de mutualiser nos forces pour faire échec à la venue des deux sanguinaires ici en Belgique où nous vivons, un pays de droit, un pays de liberté, un pays de démocratie, je n'ai pas envie de dire entre guillemets, mais voilà, dans ce sol, sur ce sol, l'Union européenne qui a choisi d'avoir la Belgique comme siège de ses institutions va recevoir pour son sommet avec des chefs d'État africains. On aura ici Monsieur Paul Kagame, je commence par lui, parce que je suppose et je pense d'ailleurs avec énergie qu'il est plus dangereux que Monsieur Kabila, Kanembe Joseph. Voilà, ces deux hommes qui sont très indésirables ici en Belgique où nous vivons en toute quiétude, malgré que nous sommes très dérangés par ce qui se passe dans nos pays respectifs, vont arriver et vous savez qu'ils vont avoir droit à des honneurs qu'ils ne méritent pas. Alors, pour bien faire les choses, il faudrait que nous puissions nous inviter au rendez-vous. Je m'adresse aux Rwandais. Tutsi, Hutu, je m'adresse aux Congolais de toutes les tribus, Boya et Bélé. Soyez nombreux pour que nous puissions faire entendre notre message et faire écouter sérieusement notre colère face à ces deux hommes qui sont plus que dangereux pour la région des Grands Lacs. C'est une mise en garde à leur service, à leurs amis belges, pour que ces gens prennent des précautions d'éviter de venir nous affronter. Parce que nous sommes des guerriers, des combattants, prêts à donner nos vies pour que respect revienne à nos communautés. La souffrance qu'on a au Congo, c'est la même que nous retrouvons au Rwanda. La souffrance qui se trouve au Rwanda est la même qu'on retrouve au Congo. Alors ce jour-là, c'est le 2, hein, je vous rappelle la date, il s'agit du 2 avril 2014, ici en Belgique, du matin au soir. Et le 3, le bon côté c'est que le 2, c'est un jour où les enfants étudient en demi-journée. Jusqu'au midi, tous les enfants ont fini d'étudier. Nako senga na ba congolais bosala effort. Soi bana ba kendara classe nga muto ali boso. Tozangi sabana so classe kaka pona mukolo moko, ce n'est pas de l'irresponsabilité. Tozangi sabana so classe kaka pona mercredi. Au pire des cas, to prévenir ba enseignant na bango na ba école na bango que voilà bana na biso mercredi ba uyate pona tina boye. Bino ba parents, même s'il faut qu'on y a bana, boya na bango. Boya e belé. Tokutani bongo na porte de Namur et pas imasolo bandaka na porte de Namur et puis tokweiti na itinéraire bango bakozala à partir de 9h. Soyons tous là parce que les activités administratives et puis activités bongo officielles et bandaka na tongo. Soyez nombreux, vous nous trouverez là depuis 6h. Nous serons sur les champs, sur le terrain pour pouvoir canaliser les choses. Batuba uta musika, nous prenons des précautions pour vous. Si vous voulez venir la veille, prenez le numéro de Patrick Tshibangu pour le compte de la force du combat intelligent. Prenez le numéro de Patrick Tshibangu, autrement dit Koufa Ponamboka. Manifestez-vous, annoncez-vous, inscrivez-vous pour que nous puissions assurer accueil. Et finalement, voilà, après la manifestation, nous finirons ensemble autour d'un petit partage et d'une discussion amicale et familiale pour comment prédire nos activités de l'avenir, quoi. Voilà, c'était là mon adresse.
Babi Balukuna, votre humble serviteur, très dérangé, et nous allons ensemble montrer à Kagame et à Kabila qu'ils sont indésirables, ils sont les malvenus ici en Belgique, terre des démocraties. Merci. Ingeta. Ingeta.